Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Outcast, pardon, A New Beginning. On est sur PS5, c'est la démo. Alors Outcast, c'est un jeu, le premier sorti en 99 sur PC. Il me semble que c'était sorti que sur PC. Et ressorti en 2017 sur PS4, One et PC. Et on a un nouvel épisode qui va arriver. Il me semble qu'il arrive là au mois de mars. Je ne sais plus la date exacte. Et donc il y a une démo disponible sur PC, PS5 et Series X. On est sur PS5 aujourd'hui. On va se découvrir ça. J'ai tapé dans la caméra, pardon. Alors, c'est un jeu qui est visiblement assez attendu par pas mal de monde. Je vois passer des commentaires, des trucs et tout. Il y a pas mal de gens visiblement qui l'attendent. Moi, pas particulièrement, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'il y a comme mode? Alors, il n'y a pas de mode résolution ou machin, enfin, comme d'habitude, vous savez. Donc, bon, c'est pas plus mal. On a quoi du coup? Exploration. Explorer. Adelpha dans cette démo en open world, explorez librement la quasi-totalité de la carte en utilisant votre jetpack, en planant ou en sprintant. Terminez des activités secondaires, repoussez les animaux sauvages et les robots hostiles, contentez-vous d'admirer les magnifiques paysages d'Adelpha. Cette démo a une limite de 20 minutes de jeu et vous ne pourrez pas interagir avec les talents, je sais pas si on dit comme ça, les talents en dessous, ni terminer. Des quêtes de village, ok. Combat après le contrôle de la planète. Les bases menacent la liberté des villages. Talents. Ouais. C'est à vous d'explorer la base, neutraliser les ennemis, machin. Ou le mode histoire. Cette démo, l'histoire. Parler aux habitants afin d'apprendre comment les aider à se défendre face aux envahisseurs. Utiliser la carte des quêtes pour suivre les missions objectifs. Bah écoutez, on va faire ça. Hein, parce que je pense que le mieux, c'est quand même d'aller regarder un petit peu un truc avec des objectifs et des quêtes. On va se mettre en normal. On va faire ça, tirer, ok, bah, bon, tout ça c'est assez bouclier et tout, c'est assez classique. Bon, moi c'est pas quelque chose que j'attends particulièrement, mais je suis toujours curieux de voir à quoi ça peut ressembler. Alors je pense qu'il faut pas s'attendre à un truc de ouf non plus au niveau visuel, mise en scène et tout, parce que je sais pas s'il y a un gros budget derrière. Pourrait trouver les configurations clavier et manette dans l'outil déjà, vous voyez, bon. Bon. Comment vous dire que c'est pas très fluide et en plus c'est flou. Je sais pas si avec la capture on s'en rendra compte, mais même sur le personnage, c'est flou. C'est un peu comme certains jeux qui baissent beaucoup la résolution quand on met le mode performance. Il y a un effet de flou, mais en plus le problème, c'est que c'est pas fluide en fait. C'est un mode, on dirait un mode fluidité, mais raté. Bonjour, c'est toi le chef du village? Par contre, il y a Toi, au moins une VF. tu as l'air d'avoir beaucoup voyagé et d'être un homme d'action. Mon nom est Anak. Je suis le chef de Sapa. Je peux te demander quelque chose? Je suis un livre ouvert. La balance. J'ai pas besoin de livre. Mais une lance? Ça oui. Et bien encore avec ton arme. Combien tu en veux? Ah, désolé, Tanak. Elle est pas à vendre. Pardon, laisse-moi préciser. J'ai besoin de la main qui tient cette arme. La tienne, appuyant sur la gâchette. Bon, ce qui est bien, c'est que le temps se coupe quand on y est pendant les dialogues. Oui, bah. Et sur quoi je devrais tirer? Les gamors, c'est la fin de la saison des amours. Et bien sûr, ils sont affamés et reviennent vers Sapa pour nous dévorer. Tu pourrais t'en débarrasser? Ça dépend. C'est quoi un gamor? Des charognards à quatre pattes, plus rapides qu'un harpon, avec des dents aiguisées comme des rasoirs et des griffes mortelles. Sympa. Ok, calme-toi, je vais t'aider. Je doute qu'il soit plus rapide qu'une balle de toute façon. Elle a quoi de spécial au juste votre petite colonie? Elle est très spéciale. Cette petite colonie est un portail qui s'ouvre sur les mers d'Adelpha. Nous sommes une communauté de talents de pêcheurs honnêtes et distingués qui... Oh, à quoi bon?
des étioles au fil des lunes. Notre économie est en chute libre depuis que les envahisseurs ont désactivé la Daoga et il ne nous reste plus que des Sanecta à pêcher. C'est un peu le bordel, quoi. À plus tard, Tanak. Bon. Ouais. Est-ce que on peut s'occuper de... Ouais, l'emplacement sur la mini-carte, bah ouais, mais c'est lui, là, du coup. Faut encore que je lui parle. Tu as l'air fatigué. Ça se trouve, faut qu'on lui parle de tout. J'ai jamais mangé de Sanecta avant. T'aimes bien ? Est-ce que j'ai le choix ? Ces myotis poissons carnivores sont devenus notre source principale de nourriture. En grande partie parce qu'ils ont dévoré tous les autres poissons. C'est lié à la température de nos eaux. Mais Baram saura mieux te l'expliquer que moi. Demande des détails si tu souhaites en savoir plus. Moi, j'aimerais bien qu'on aille tirer sur quelque chose, au moins avant la fin de la démo. Les portails sont alimentés par de vieux noyaux énergétiques, une technologie qui date d'avant les Tal. Les envahisseurs les ont tous confisqués et nous sommes donc bloqués ici. Tous ceux qui ont tenté de récupérer vos noyaux se sont fait réintégrer par les envahisseurs, comme ça a été le cas pour mon très cher frère. Alors nous avons abandonné l'idée. Ils doivent la garder dans l'une de leurs bases. Parfait. Fais donc fonctionner ton cerveau d'homme d'action. J'ai interdit au Talan de s'approcher de la base du coin. Mais si tu souhaitais récupérer le noyau énergétique et alimenter la Daoga, ça ne me dérangerait pas. J'en serais même ravi. Ben ouais, ça on se doute bien. Tu t'appelles comment ? Je suis Tanak, chef de Zappa. Allez. Plus tard, Tanak. Ouais. Ouais. On se tire. Sélectionner pour consulter les quêtes. Yes, on va ouvrir la carte. On sélectionne le village. Et donc, c'est quoi ? Retrouver le noyau. Bah écoutez, on va faire ça. Je sais pas si on aura le temps, hein. Mais on va essayer de pas en perdre plus que ça du temps. On va se calmer par contre parce qu'il a parlé de poissons carnivores. En fait, je sais pas quoi vous dire visuellement. On voit quand même le paysage est assez joli et tout. Mais c'est la technique en fait. C'est très flou, comme si la résolution était assez basse. Et c'est pas fluide. Alors que je trouve que c'est le décor en lui-même et tout. J'aime bien ce genre de décor un peu... Avec beaucoup de flotte comme ça et tout, j'aime bien. J'aime bien un peu ce genre de paysage dans les jeux. Donc je trouve ça pas mal, mais on voit que c'est hyper flou. Et ouais, en plus, ouais, c'est pas fluide. Il y a un point rouge là. T'as la bête qui est là ? Ah oui, c'est la bête qui était là. Ça lâche des trucs, on va les ramasser. Il n'y a pas besoin d'aller se coller pour... Oh putain, ils m'ont déjà vu. On a ramené tous ses potes à ce que je vois. Bon, après pour l'instant en termes de gameplay c'est assez classique, mais ce qui fait que ça peut être un jeu assez sympa hein, en vrai. Même si techniquement c'est pas fou, le jeu en lui-même il peut être sympa. Après faut voir. Ah oui, c'est eux là-haut là. Faut que je fasse attention parce que je suis concentré d'un côté, mais bon. Rien ne dit que ça peut pas venir d'un autre côté. Ouais, il y a la surchauffe des armes. Wow ! Ah mais je peux pas faire les deux en même temps. Par contre, le coup du jetpack pour faire des esquives et tout, c'est pas mal. Bon, après...
Je sais pas si l'IA sera très très bonne ou pas. Après, ça dépend aussi du mode de difficulté. On va pas juger là-dessus. Sur une démo, on découvre, on est en mode normal. Bon. J'aimerais bien récupérer ces trucs que j'ai. On n'a pas des grenades. On peut s'accroupir, ouais, on peut s'accroupir. On va faire exploser ce genre de choses. J'ai pas l'impression. Après, ce que je dis toujours, le truc, c'est de prendre du plaisir quand on joue. Même si, évidemment, la technique, ça compte aussi. Le but. Le but, c'est quand même de prendre du plaisir à la base. Le coffre, mais quel coffre? Bah, il doit être quelque part là-dedans. Le coffre en question. On va voir si on peut monter par là. Il en restait là, par là. Ouais, franchement, il y a des. Regardez, il y a des petits panoramas et tout. Assez sympa. Donc, pourquoi pas. Bon, puis après, on n'est pas à l'abri de patch qui corrige. Je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Bah, la tête chercheuse, ok. Bon, on va pas pouvoir voir grand chose par contre, hein, évidemment, dans. Rejoignez l'emplacement marqué sur la mini-carte. J'espère qu'on va au moins réussir à finir cette mission. Ce serait pas mal. Oula! Ah, j'ai cru que j'étais passé au. Bah, remarque, ouais, c'est peut-être un peu ça quand même. Un petit peu passé au travers du truc. Il y a beaucoup de monde là-bas. Je sais pas ce que c'est. C'est des animaux. C'est les bestioles sur lesquelles j'ai tiré tout à l'heure, là. On dirait. Ça, qu'est-ce que c'est? On peut le ramasser, ok. C'est ces araignées, d'accord. En fait, le problème, c'est que tout est indiqué en point rouge, comme ça. Du coup, c'est un peu compliqué. Et vous avez vu, en fait, ouais, j'approche à peine, par contre. J'ai des sortes de potions, je sais pas ce que c'est en bas, là. En bas à gauche, là. J'ai pris, je sais pas à quoi ça sert. Il en reste un là. Bon, j'aime beaucoup l'idée du jetpack là, pour esquiver. Ça, je trouve ça pas mal. Bon, pas quand je me trompe de bouton, mais. Ok. Donc on a toujours le rejoignez l'emplacement sur la mini-carte. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille où maintenant? Aller davantage et explorer Adelpha.
Donc là, ça veut dire qu'il faut que je retourne au village. Bon, on va y retourner. Ah oui, là, il y a une barre. C'est la barre de ville, machin vert, là-haut. On n'y comprend pas grand-chose à cette barre, hein, j'avoue. Bon. Ça peut être assez sympa quand même. À voir. Après, le premier, j'ai pas vraiment joué, hein. C'est pas une licence que je connais. Est-ce qu'il faut que je suive la flèche bleue ou pas? Il y a un dôme là-bas, regardez, on dirait. Là-haut. On va suivre la flèche bleue sur ma mini-carte, ça doit faire comme une boussole un peu. Il nous reste 10 minutes, hein. Donc de toute façon, on ne va pas aller bien loin. On est arrivé vers le village. Ah, regardez, on arrive au point. C'est un petit peu rigide le jetpack. Alors, est-ce qu'il faut qu'on suive ce chemin? J'imagine. Je me méfie pas, moi là je monte sans trop regarder devant moi, mais. Il y a l'air d'y avoir un truc par là, donc. Il y a des bruits chelous aussi. Un objectif, c'est pas mal. C'est Stargate. Et alors, on fait quoi avec cette porte? On passe dedans? Ouais. D'accord, et donc ma quête elle est terminée là? Le Templier, l'essence K, l'air serait le plus pur de tout Adelpha. Ok. Et donc là. Bah, la quête est faite, ok. Ensuite, bon bah faut parler aux autres. Aux autres trophions du village. Et puis d'accord, bon. Bon, écoutez, on va aller par là-bas. Ça m'étonnerait qu'on ait le temps de le faire, mais bon, c'est pas grave. Je trouve ça un petit peu idiot de faire une démo limitée dans le temps. À la limite, limite le contenu. De limiter le temps. Mais bon, c'est pas très très grave. Ça nous aura permis de découvrir un peu.
Je sais pas si ça allait m'attaquer ou pas, mais dans le doute, hein, vous savez. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, c'est quoi ces baits qu'il faut attraper? Ouais, vous voyez, il y a des plantes qui sont sympas, il y a des trucs un peu sympas. Techniquement, c'est pas très beau, mais il y a des. Au niveau artistique, je trouve des trucs qui sont sympas. D'accord, bon. Vous voyez, quand il se passe des choses comme ça. C'est quoi ça? Ça n'a pas l'air d'être ça, ça m'a pas du tout attaqué, c'est pas du tout. Ça pourrait être bien ces trucs là. Ah oui, c'est ça. C'est parti. Les pauvres, ils ont rien demandé. Attaque de mêlée pour celui-là. Ah ouais, celui-là était spécifique. Bon, bah je les ai défoncés, les pauvres. Ils étaient là tranquilles, ils ont rien demandé. Enfin, si, ils voulaient visiblement. Ils dégomment les gens du village, mais bon. On va récupérer tous les steaks, hein. On va aller voir ce que c'est que ça. Oh! Ça me tire dessus, dis donc. Voilà, oulala. Ça me tire dessus, ça fait mal, en plus, visiblement. Pas trop là pour rigoler, hein. On voit que mon arme. Oh, mon arme a évolué aussi. Attends, toi. Je vais m'occuper de toi aussi, t'inquiète pas. Le problème va être vite réglé. Bon, on a une carte là. Est-ce qu'on a autre chose que la carte? Oui. Là, il y aura certainement un arbre de compétences avec des choses à débloquer. Là, on a un inventaire, des consommables. Voilà, là aussi, il y a des compétences à débloquer. D'accord, bon. Bah écoutez, pourquoi pas, hein? Il nous reste pas beaucoup de temps, mais bon. On va continuer de se balader. Sur le temps qui nous reste. Bon, c'est dommage parce que je suis sûr qu'avec plus de moyens, on aurait pu avoir un truc plus abouti techniquement. De moyens, et quand je parle de moyens, je parle pas que d'argent, hein. Je parle aussi de personnel, de temps, de. C'est dommage. Il y a des zones plutôt sympas, mais vous voyez, ça rame, ça rame. Et encore que sur la capture, ça rame moins. Je trouve, j'ai l'impression, en tout cas en regardant la capture comme ça à côté, j'ai l'impression que ça se voit moins sur la capture, sur mon retour là, que moi je le vois sur la télé.
Après, c'est peut-être une impression que je me fais là, en regardant le retour, ça se trouve, quand je vais faire le montage. Je verrai pas du tout la même chose. Tiens. Ah, celui-là, il est pas activé. J'imagine qu'il va falloir trouver d'autres pierres, là. Ah non. Peut-être pas. Non, non. En fait, une fois que c'est activé, d'accord. Bon. Il y a une cabane, là. Il y a l'air d'y avoir quelque chose dedans. Voilà, la personne qui habite là est un artiste. Un ou une, d'ailleurs. Assembler pour fabriquer un module d'armes complet, d'accord. Bon, c'est très. Je trouve que c'est plutôt intéressant à ce niveau-là, l'arbre de compétences, les modules, les trucs qu'on peut ramasser et tout. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Ouais, venez, je vous attends, t'as de saloperie volante. Oh merde, bah non. Bah non, en fait, tais-toi. Bon, en fait, ça va. Ça s'est plutôt bien passé. On va pas avoir le temps d'aller jusque là-bas. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être une très mauvaise idée d'y aller, d'ailleurs. Mais là, de toute façon, on n'aura pas le temps. Il nous reste 40 secondes. Bon là ils arrivent tous à la chaîne, donc là ça va. Allez, ça va couper là. J'ai pas l'impression qu'on puisse. Bon bah voilà. Ça se coupe net, hein. Elle est disponible le 15 mars, vous voyez donc. Bon bah écoutez. On va s'arrêter là-dessus. Bon, à part que techniquement, c'est pas terrible, ça a l'air relativement sympa quand même. En tout cas, il y a un inventaire, un arbre de compétences, tout ça. Donc, ça peut être plutôt cool. Il y a visiblement plein de trucs à ramasser, à explorer et tout. Donc, pourquoi pas? Je pense que ceux qui ont joué au premier à l'époque vont se retrouver dans ce jeu-là. Parce que le premier, j'y ai pas vraiment joué, mais j'ai quand même pas mal regardé. À quoi ça ressemblait et tout, et ça a l'air quand même de ressembler au premier, peut-être un peu trop d'ailleurs, c'est peut-être un peu trop vieux maintenant, mais pourquoi pas, écoutez. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.